Yo tout le monde, ici Dalgaming et bienvenue pour une autre vidéo sur Hogwarts Legacy. Alors, dans la précédente vidéo, on a eu notre cours de vol là, et là, on va, on a une mission de livraison à faire parce qu'on a besoin de thunes pour acheter notre balai, on n'a pas assez. Malgré que j'aurais pu vendre des trucs au marché à Préolor, mais écoutez, on va faire cette vidéo-là et puis écoutez... Terminez les tâches que je vous ai confiées, puis retrouvez-moi dans ma salle de classe pour apprendre Tifindo, le sortilège de découpe. Il est généralement utilisé pour couper un objet, mais il peut également... Mais est-ce qu'on peut, attends... Comment qu'on fait déjà pour dézoomer la carte? Toc, toc, toc... RT, zoomer. On peut pas dézoomer plus. Changer la carte, atteindre, pivoter. Mais écoutez, on. Ah, on va sortir ici, on va être plus près. Bon. On a tellement une grosse distance à faire. Si on peut se rapprocher comme ça. Et là, je crois qu'on s'en va d'un endroit qu'on n'a jamais été. Parce que c'est pas sur la map. C'est encore gris. Alors. Ah oui, 1000. Au moins, on est dehors. Attends. Ok, c'est ça. On est rendu parfait. Bon. Ramasser loin. Définir comme étape. Non, bien sûr qu'on n'a pas débloqué de poudre de cheminette. Épreuve de Merlin. Non, c'est ça, on n'a pas débloqué de truc. Bon, écoutez, on n'a pas le choix, on va y aller. Oh. Oh, je sens qu'on va rencontrer des trucs. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Et pour faire chier, on n'a pas notre balai, quoi. On ne l'a pas encore, bien sûr. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes. Oh, il y a des individus indésirables. Allez, on trace. On speedrun. Je peux vous dire direct que quand on va arriver, on va fouiller pour trouver de la poudre de cheminette. Il y en a de près pour pas avoir à se taper ça à chaque fois. Oh. Allô? Oh, je voulais couper, mais non, c'est pas une bonne idée. Ah, peut-être si. On va le contourner. Allez, tête de... Oh, bon, bon, bon. Merde, on court, frère. Oh, ils m'ont fait flipper, putain. Ce qui me fait plus peur, qui me fait sursauter, là, c'est des animaux. Fourrure de chien. Ce qui me fait sursauter. Ce qui me fout la trouille. Ok, encore lui que c'est des trucs, ok. Revelio,
des putains de distances. Ah, c'est horrible les distances. Ah, il y a un truc ici, on s'est pas dans le ramasser. Deux. Ça nous prend 600 balles pour un balai. Merde. Incendio. Leviosa. Protego. Tiens, c'est pas d'être... Pignouf. J'ai cru qu'il était... Il m'a mangé. Putain, à droite. Bouge-toi. Réveillon. Oh oui, comment comparer qu'il y a des trucs ici à ramasser à l'appel. Ah oui, j'ai des mini-lags. C'est normal, il y a tellement de trucs à changer ici, l'herbe et tout. Un coffre de la cabane à pinche. Pas sûr, on aise. Réveillon. Oh, ça fait ting. Oh, il y a une... Action. Oh, je pense qu'on a nos 600 balles! Avec ce qu'on vient de ramasser, mais on va continuer pareil. C'est quoi ce truc là? C'est de la nourriture? Hein? Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Allez, on sort. Rébellion! On devrait déjà être là! Il y a tellement de trucs. Attends! Une page! Allez, avance! Nickel! Toujours en retard. Oh, il y a un coffre! Comment qu'on fait pour aller? Ce pipin devrait déjà être là. Livre de recettes de potions. Réveillon. Toujours en retard. Action. Faut faire quoi avec ça? Incendio. Les chaussons. Ce pipin devrait déjà être là. Toujours en retard, ce pipin. Ah, veux-tu fermer ta gueule, là? Madame La Wang, j'ai une livraison pour vous de la part de Potion Pipin. Alors comme ça, il a envoyé un enfant faire son travail. Il n'hésite jamais à en faire le moins possible. Vous a-t-il aussi demandé de lui préparer ses potions? Peu importe. Vous vous en sortiriez certainement mieux que lui, de toute façon. Voici les potions. Voilà les potions que vous vouliez. Vous pensez que c'est si simple? Je sais bien que Pipin essaie toujours d'escroquer ses clients. Et de renier les coûts pour économiser quelques galions au détriment de la qualité. Tant que vous ne m'aurez pas prouvé que la potion fonctionne, je ne vous donnerai pas une noise. Allez-y, buvez-la. Merde. D'accord.
Rien de plus simple. Je vais le faire. Voilà, c'est très bien. Merde. Boire une potion d'invisibilité. Ça c'est... Invisibilité. Coucou. Je crois bien que ça a marché. Bon, ça fera l'affaire, j'imagine. Si la demande est si importante, vous pourriez peut-être vous montrer plus sympathique. Par exemple, en combinant vos recettes et vos compétences avec les siennes. Jamais de la vie. Ce bon à rien n'a pas eu à travailler pour obtenir sa boutique. Nous autres, nous avons dû nous débrouiller. Je ne le laisserai pas récolter les fruits de mon travail. S'il échoue, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Oh, très bien, pouvez-vous parler, Adrien ? Très bien. J'informerai Monsieur Pipin que les potions ont été livrées comme prévu. Faites donc ça. Oh, qu'avez-vous un stock ? Merci d'avoir... Je dois y aller. Merci. Allez, c'est bon. Retournez voir. Ouais, moi, je te dis, frère. Non, attends une minute. Il y a de la peau d'ici de trucs. Bon. Est-ce possible? Oh, bon Dieu. Là. Il est là, lui. La peau de la plus proche, c'est... Non. C'est ici. Preuve de mes... Bon. Allez. J'espère que vous kiffez la série et que vous kiffez également le jeu. Qu'est-ce qui... Ah, eux, là, ils font... 400, oh, ça va. Je vais juste regarder un petit truc. Y aura-tu tes poudres plus près? Non, hein? Non, du tout. Bah, déjà, malgré là, on est correct. Hein, c'est beaucoup mieux qu'avant. Allez. Allez, on trace. Là, on va pouvoir aller acheter notre foutu balai. Un château. Oh. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. On peut-tu piquer au travers? Sauver de la distance, bordel. Oh, nice. Et ici, je crois qu'on peut passer. Saute par-dessus, imbécile heureux. Allez, on peut traverser, là. Préolard, me voilà. Allez, de moi Nathan. Bonjour. Vous avez besoin de potions, je suppose. J'ai apporté la, ok. J'ai apporté les potions d'invisibilité à Fatima Lawang. Très bien. Elle ne vous a pas causé trop d'ennuis? Je n'ai pas rencontré. Elle n'est pas très facile à vivre. Allez, on essaye ça. Je comprends pourquoi vous ne vouliez pas y aller. Elle a un sacré caractère. Je vous remercie pour votre aide. Vraiment, c'est une bonne chose de faite. Merci. J'apprécierai un petit supplément. Allez, on essaye ça. Livrer ces potions m'a demandé bien plus de travail que prévu. Un supplément serait le bienvenu. Eh bien, vous avez le sens des affaires. Très bien, je vous paierai plus, mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Au fait, j'ai trouvé ce livre de recettes de potions à Pont-Désir. Est-ce qu'il vous serait utile par hasard? C'est le livre de recettes de Fatima?
Si c'est le cas, elle ne mérite pas de l'avoir. Vous devriez le garder. Elle ne mérite pas de l'avoir. Je comprends votre point de vue, mais vous devriez savoir qu'il est très important de respecter les biens d'autrui. Allez, si on peut le vendre. Certaines choses sont sacrées pour nous autres potionnistes. Je vais le lui rendre de ce pas. Bon, ben, tu aurais donné, putain, ben, donne-moi mes sous. Collection. 500. Nice, on a assez pour le balai. Allez, hop, hop, hop. On s'en va acheter notre balai. Par contre, il y a un marchand où qu'on peut vendre. C'est où déjà le marchand pour vendre nos trucs? Ça. Un parchemin de joueur, potion pépin. Le vendeur de produits. Ok, c'est bon. Ça, c'est quoi? Un vieux bâtiment abandonné. Animalerie. De prêt-à. De vêtements, le coiffeur. Ok. Attention, c'est des. On demande la baguette. C'est où déjà qu'on peut vendre nos. Pour le nombre de joueurs de sorciers. La grande place centrale de Préola. Bah écoute, on va lâcher. Notre balai, alors c'est quoi déjà le nom pour le balai, je m'en rappelle plus. Attends. Bon, ça c'est Ollivander. Potion pépin. Magasin. Les trois. Wow. Hey, allez, le balai. Les gens parlent encore de votre combat contre ce troll sur la place du Vide. Je me demande où ils vont. Faire des efforts pour attendre l'énergie. Qu'est-ce qu'on profite du théâtre pour votre... Les trois balais. Je sais pas, ils... Pardonnez-moi, vous étiez en train de dire quelque chose? Oh, bonjour. Oh, pardon, je parlais toute seule. Trompée. Je m'appelle Clémentine Willardze. Enchantée. Je pensais à ces magnifiques papillons que j'aperçois près de la forêt. Dès que je m'en approche, ils s'envolent entre les arbres. Lorsque j'étudiais à Poudlard, il était totalement interdit d'entrer dans la forêt. On entendait d'horribles histoires à son sujet, et depuis j'en ai développé une véritable phobie. C'est idiot, mais j'ai toujours voulu savoir où vont les papillons dans la forêt. Vous... Merde. Vous pourriez le découvrir ? Vous voulez que je suive les papillons? Oui, c'est ça. Si ça ne vous dérange pas. Qu'avez-vous entendu? Je vais y réfléchir. Très bien. Maintenant, on veut aller acheter notre balai. Je verrai où il mène. Oh, c'est gentil. Les élèves de votre génération ont plus de courage que je n'en aurai jamais. Vous me trouverez souvent par ici. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Ah, t'es chelou, toi. Suive les papillons. N'oubliez pas, les papillons sont... Vous pouvez à l'orée de la forêt. La quête. Bonne chance. Ça va acheter... Je me rappelle plus, elle est où la putain de boutique pour des... Attends. Une boutique de baguettes, potion pépin, le vendeur de produits frais de graines et d'engrais, tombe parchemin, article de sport beau balai. Ah ben c'est ici putain, puis con. C'est ça, c'est ici. Vous êtes de retour? C'est un plaisir de vous revoir. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Bon, on a assez de thunes, bon. Aperçu du balai. Cet article est d'excellente qualité. Ah oui.
Ok. Ok. Et petite cet d'accord. article est d'excellente qualité. Oh, waouh. Ah, il est laid, lui. Il est pas là. Allez, on y va pour lui. Je l'aime bien, lui. Ce balai fera votre bonheur. Je vous le garantis. Même si le premier balai venu sera toujours supérieur au balai d'entraînement de la classe de Madame Kogawa, tous sont limités. Vous m'avez l'air d'une personne qui pourrait être intéressée par des améliorations pour votre balai. Allez-y, oh. J'écoute. Ah, je ne m'étais pas trompé sur vous. Les performances de n'importe quel balai à basse altitude sont tout à fait satisfaisantes. Mais vous remarquerez que la vitesse moyenne tend à diminuer à mesure qu'on s'élève. Je pense pouvoir remédier à ce problème. J'ai quelques idées de sortilèges, d'améliorations en quelque sorte, qui pourraient accroître les performances de n'importe quel balai. J'ai besoin que quelqu'un essaie un balai pour moi et vienne me faire un rapport afin que je perfectionne mes améliorations. Une autre élève de Poudlard, Imelda Reyes, utilise d'anciens circuits de course désaffectés pour des épreuves de vol. Ah, elle est futée. C'est un cadre idéal pour récolter des données de vol. Si jamais vous y participez et faites le meilleur temps, alors dans ce cas, revenez me parler du comportement de votre balai. J'ai fini de travailler sur ma première amélioration. Qu'en dites-vous? Je peux essayer. Comment? Pourquoi me demander? C'est intriguant. Je vais voir ce que je peux faire. Merci! Ça en vaudra la peine. Si j'ai vu juste, cette nouvelle version devrait améliorer les balais à tous les niveaux. Et je peux vous faire un prix. Les épreuves de vol devraient être tout aussi amusantes. Rendez-vous sur le terrain de Quidditch. Imelda Reyes s'occupera de vous. N'oubliez pas de me prévenir quand vous aurez battu le temps d'Imelda. Quête commencée, essai un vol. Bon, eh bien, je crois qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Le but de cette vidéo, oui, c'était de Monsieur Weeks. Pour acheter un balai. On l'a fait dans la prochaine vidéo. On va continuer la quête, quoi. Et moi, je vous dis à la prochaine.